Hey, vous apprenez la photo? C'est technique quand même, hein? Alors, bienvenue dans le premier post-it de Polychromin. Pour ce premier post-it, je vais vous parler de la technique. Quoi? Mais t'avais dit que tu parlerais pas de technique. Alors, je vais pas vous parler de technique, je vais vous parler de la technique, hein, et de son positionnement dans l'enseignement. Vous n'avez pas remarqué que lorsqu'on apprend une discipline, on se focalise quasiment, exclusivement sur la technique, hein? Tiens, par exemple, tu as commencé la guitare il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que ça donne? Bon, j'ai arrêté. Bah, pourquoi? Moi, bon, j'en ai marre d'apprendre les gammes. Eh ben voilà, c'est typique. On commence une discipline et on vous apprend les techniques. Vous ne savez même pas pourquoi et ça vous dégoûte. Hein, si on apprend l'anglais, on va vous apprendre les verbes irréguliers. Alors, vous ne savez même pas parler. Donc voilà, ce qu'on constate, c'est qu'on ne se concentre quasiment que sur la technique. Ouais, mais tu ne vas pas dire que ce n'est pas important. Ah non, je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais c'est peut-être pas pertinent de commencer par ça. C'est un petit peu mettre la charrue avant les bœufs. On pourrait dire mettre l'histoire de l'art avant l'art. Pff, comment il se la pète ? Oui, c'est vrai que c'est un petit peu pompeux. Mais je pense que c'est une idée assez reçue que bah, quand on connaît sa technique, on est un photographe. Bah oui, mais c'est quoi alors ? Eh bien, bah, ça va être ton regard, ça va être ton sens de l'esthétique, ça va être ton sens critique. C'est tout ça qui va faire de toi un photographe. C'est pas ta technique. Ta technique, elle va te permettre d'avancer, de progresser et d'exprimer ce que tu as en tête le plus précisément sur ton image. Mais en aucun cas, ça va être ta technique qui va faire de toi un photographe. Voilà. C'est tout. Bah oui, c'est tout, mais c'est déjà beaucoup. Donc voilà, si ça vous a plu, bah, je vous invite à me le signaler et à partager la vidéo. Et puis bah, je vous dis à très bientôt.